Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Là, Dieu me donne la possibilité de faire cette vidéo avec vous, bien que je sois très occupé. Ces temps-ci, je suis vraiment très occupé. Du coup, il faut en profiter. Écoutez vraiment très bien ce que nous allons découvrir ici. Il y aura plusieurs témoignages, des gens vont nous raconter des choses hors du commun. Waouh, ce sont des révélations terribles. Écoutez, la première personne qui va nous parler va nous dire qu'elle a refusé de mourir entre les mains d'un ritualiste. C'est une personne qui l'appréciait bien. Elle pensait qu'elle était en face d'une personne ordinaire, alors que c'était ça, un agent du diable. Mais cet agent du diable avait l'argent, de l'argent à lui offrir. C'était en même temps une grande personnalité du pays. En fait, c'est une grande personnalité du pays selon ce qu'elle nous a dit. Elle ne va pas révéler de nom, mais elle va nous dire ce qu'elle a vécu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Écoutons son histoire pour savoir plus. C'est parti. C'est une histoire très récente. Ça fait environ 2 mois, 2 à 3 mois. Je me suis déplacée, je suis allée chez ma soeur. Ma soeur mariée à un monsieur du gouvernement. Elle nous a donc invités dans le village du monsieur pour passer le week-end. Arrivée donc là-bas, je rencontre une personnalité aussi. Il me dit. Il veut vraiment échanger avec moi avant de rentrer sur Yaoundé. Je dis ok. Quand on se déplace, il me fait comprendre que je brille, j'ai du charisme. Il voit en moi une fille très intelligente. Pourquoi je ne travaille pas avec les diplômes? Je dis, mais comment moi? Il me dit, comprends juste comme ça, je peux t'aider. Je peux t'aider à avoir le travail que tu mérites. Tu mets un cadre d'entreprise et autres. Je dis ok. Il me dit tu vas me donner ton CV, mais pas aujourd'hui. Je dis bon, il me dit d'accord, on va aller. Bon, moi je vais venir là-bas donner mon. Moi je suis pas dans la vie. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Une semaine après, il me dit tu ne vas pas venir à Yaoundé depuis toi à droite là. Il m'envoie le transport, il me fait un défaut, il me dit, prends un VIP, ne t'encombre pas, il faut être à l'aise. J'arrive donc, le monsieur avec qui on parlait tous les jours, on parlait pratiquement tous les jours, il faisait des compliments, il me demandait comment j'ai dormi et tout et tout. Ce jour alors, avant de voyager, j'appelle ma maman, je lui dis, maman, tel monsieur m'a demandé de venir donner mon CV. Elle me dit, c'est bien, mais avant, lave-toi avec du sel. J'ai dit ok, je me suis lavé avec le sel. Le matin, là, j'ai pris la voiture, je suis arrivé. Quand j'arrive, il m'invite dans un hôtel. Il me dit je suis logé à tel hôtel. Je prends le taxi, j'arrive là-bas. Il me dit tu vas d'abord m'attendre à la piscine, je suis en réunion là et tout. J'ai dit ok, je me suis assise. On m'a donné, il m'a dit prends le petit déjeuner. J'ai laissé les consignes. J'ai pris le petit déjeuner, arrivé là-bas, ma maman m'appelle, elle me dit, je ne sais pas, depuis que tu es parti à voyager ce matin, j'arrive pas à. Mon esprit n'est pas tranquille, je passe le temps à penser à toi, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, non, tout va bien, je ne l'ai même pas encore rencontré. Du coup, j'ai fini avec ma mère, il arrive. Dès qu'il arrive, il me voit, il me dit, donne-moi le CV, je vais partir. J'étais surprise. Pourquoi il a encore préféré comme ça? Je dis d'accord, je donne le CV, mais dis, mon chauffeur te dépose. J'ai dit ok. Comme ça, le chauffeur me dépose à l'agence, il me dit le transport c'est combien. Je dis, il me donne 5 000, il me dit, le monsieur va te gérer et il va t'appeler. J'ai dit ok, je suis rentrée. Une semaine après, il n'a pas. J'ai écrit, je suis arrivée, il n'a pas répondu. Une semaine après, il me fait signe, il me dit, désolé, c'est le travail, tu sais, à la présence, on a tout le travail et tout, il faut qu'on se revoie la semaine prochaine, le week-end prochain. On va aller à Simankam, tu vas travailler là-bas et tout. Je dis, oh, j'ai compris. C'est comme ça, le week-end, le vendredi, il m'envoie encore le transport, mais cette fois-là, il triple même.
Je prends encore la voiture, je me lave encore avec le sel. Je prends la voiture, j'arrive, il me dit, j'étais pris une chambre, tu vas être à l'aise. Je dis, ok. Il était peut-être 23 heures. Le pasteur m'appelle. Le pasteur, monsieur qui m'a baptisé, le pasteur qui me suit, il m'appelle, il me dit, peu importe ce que tu fais, où tu es, prends la voiture, tu rentres. Je dis les 23 heures. Il me dit, je te dis, prends la voiture, peu importe le prix que tu vas payer, rentre, ne dors pas où tu es. Dès que je dis, ok, rapidement là, je m'habille. Quand je veux sortir, le monsieur est là devant ma chambre. Il me dit, où tu vas? Je lui dis, non, ma maman, ça ne va pas, il y a une urgence. Il me dit, à l'heure que tu ne peux pas rentrer, le matin, même, c'est l'hélicoptère qui va te déposer chez vous. Ouais, ça va te déposer. Je lui dis, ici, je ne peux même pas dormir. Ma mère, ça ne va pas. Bêta, je meurs en route que de dormir. C'est là. Il me dit, tu ne peux pas partir. Si tu pars, je suis morte. Je lui dis, tu vas mourir. Le monsieur se met à genoux. Il me dit, s'il te plaît. Je lui dis, ici, tu vas mourir. Il me dit, peu importe le montant que tu veux, 1 million. Je lui dis, ici, tu vas mourir. Je ne peux même pas dormir. Le monsieur a tout fait. Il dit que je ne peux pas. Il appelle le garde de corps là, il dit au garde de corps, donne la lettre à cette fille, même fait 10 millions qu'elle veut. Je dis, même fais un franc, je ne veux pas, je veux rentrer. Il me dit, si tu rentres, tu vas mourir en route. Je dis, mieux je meurs en route que de mourir que tes mains. Il dit, ok, j'espère que tu n'as pas peur de ça. Il dit, tout de suite, j'appelle ma grande soeur. La loge où tu es là, je suis sûr que son mari aussi est là à l'intérieur. Et sachez qu'on va vous détruire. Directement, il me dit, voilà même le mari de ta soeur qui appelle. Tu crois qu'il ne connaît pas ce qui se passe? Je dis, ah, ok, on va donc se battre. Que le meilleur gagne. Et je suis sûr que je peux te détruire. C'est là que le mari de ma soeur m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, le nom est bien là. Qu'est-ce que tu fais? Hein, et tout. Rentre, ne rentre pas, dors le matin, ne cours pas les risques que tu vas mourir en route. Il dit que même si je meurs en route, c'est mieux que de rester ici. Il me dit, mon beau-frère là me dit, si tu rentres, tu vas mourir, je ne pourrai pas te sauver. Pourquoi tu es d'abord parti là-bas? Ça me dit et tout. Et ta soeur, je lui dis, là maintenant, je vais écrire à une grande blogueuse et je vais envoyer l'histoire avec vos noms. Donc si je meurs en route, sachez que vous êtes signé. C'est comme ça, je parle, je trouve un personnel, je rentre. J'arrive à la maison, le monsieur me remplit la messagerie. Il me dit, tu vas travailler, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça n'a pas fait une semaine, ça n'a pas fait deux, trois jours. J'ai reçu les appels de trois grosses entreprises au pays qui m'appellent. Ils me disent, on a vu votre CV, vous devez venir travailler et tout. J'ai dit, je ne peux même pas travailler, c'est bon, j'aime la paix. Jusqu'au jour, ce monsieur m'envoie minimum 150 000 francs la semaine. Juste pour que je puisse me taire. Il fait qu'il ne peut pas me faire du mal. Il fait qu'il ne peut rien faire. Mais juste pour mon silence, il me paye. Cet argent, je ne touche même pas, c'est dans mon compte. Je ne touche même pas cet argent, mais il me paye toutes les semaines. Donc, je vais juste dire à mes soeurs d'être prudentes. C'est pas parce qu'on va voir l'argent, on va aller mourir n'importe où. Écoutons un peu les aînés. Donc, si je suis peut-être en vie, parce que j'ai écouté le pasteur et ma maman, si j'étais peut-être déjà, ils ont dit ce qu'ils ont dit, j'ai vu l'argent. Sinon, peut-être je suis décédée aujourd'hui. Donc, mes soeurs, soyons prudentes. Vous avez entendu ça? Donc, mes soeurs, soyons prudentes. Mais pourquoi? Parce que le diable rôde dehors, cherchant qui il dévorera. C'est gros, c'est là. Les choses qu'ils font, Dieu seul sait. C'est gros, c'est là. Les choses qu'elles font, Dieu seul le sait. Ok, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Donc, c'est une fille qu'on connaît tous, qui avait fait un témoignage, en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une jeune fille qui travaille avec sa mère dans son restaurant. Elle va à l'école. Donc, de temps en temps, après les cours, elle venait aider sa mère au restaurant. Et dans le restaurant de sa mère, il y avait un monsieur qui venait tout le temps.
le genre de monsieur avec beaucoup de moyens, quand il vient, il garde sa grosse voiture, il se montre et tout. De temps en temps, même, il offre à manger à tout le restaurant. Quand il arrive, il dit donner à manger à tout le monde et à boire. Et c'est comme ça que tout le temps, il se comportait. Et comme il était assez jeune, la tante de la fille en question lui disait souvent que le monsieur te fait les yeux, genre des yeux de charme et tout. Ça ne te dirait pas de sortir avec lui. La fille disait toujours non. Et comme le monsieur avait su que la fille du genre n'était pas intéressée par lui, il faisait beaucoup d'efforts à chaque fois qu'il venait. Il mettait plein les yeux aux autres clients. Il achetait à boire, à manger à tout le monde. Il faisait rire tout le monde et tout. Alors, au fur et à mesure que sa tante lui disait « ça ne te dirait pas de sortir avec lui, il a l'air gentil et tout. » Et elle, elle sortait d'une relation où elle avait beaucoup souffert. Elle n'avait pas envie de se remettre en couple maintenant. Mais bon, puisque sa tante insistait, elle a dit qu'elle devait réfléchir et tout. Et après, quand le monsieur est venu la dernière fois parler, « Écoute, machin, je vais me mettre avec toi », elle a accepté. Et le monsieur, il avait... des tics bizarres, en fait. Et puis, il avait des goûts autres que... Je sais pas. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu un homme qui s'était comporté comme ça avec elle. Il lui offrait tout ce qu'elle voulait. C'était à base de balades, randonnées, restaurants, dans les grands restaurants et tout. Ils avaient même l'habitude d'aller, je sais pas, passer des week-ends en province et tout. Donc, un jour... Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, on va aller faire un tour sur un bateau, je vais louer un bateau et on ira faire un tour ensemble. Bon, quand je dis un bateau, ce n'est pas un gros bateau, hein, les petits bateaux avec moteur là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, je vais venir te chercher aux environs de 15 heures et quand je viendrai te chercher, tu viens seule. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit aussi qu'elle ne savait pas d'où provenait l'argent du monsieur, mais ce qu'elle sait, c'est que le monsieur travaillait. Donc, il n'y avait pas de problème. Selon elle, son argent était justifié. C'était normal qu'il ait ce train de vie-là. Alors, le monsieur vient la chercher pour l'emmener sur le bateau, soi-disant pour aller pêcher, parce que derrière sa voiture, il avait même la canne à pêche. Il avait des glacières à l'intérieur avec des boissons et tout ça. Là. Alors, les deux partent. Arrivé où il devait prendre le bateau, le monsieur gare et tout. Et tout à coup, il voit son cousin. Le cousin lui dit, oh, et tout, moi j'ai envie de venir avec vous. Il insiste toujours en disant au cousin, non, je ne veux pas que tu viennes, je ne veux pas que tu viennes. Le cousin insiste, que moi je veux venir avec toi. À chaque fois, tu vas pêcher et tout. Tu ne m'emmènes jamais, pourtant je te dis toujours que je vais venir. Il était en train d'insister. Le monsieur lui dit, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Lui, il insiste. Moi, je veux venir. Le monsieur lui dit non. Mais tellement il insiste, la fille lui a dit que, mais, s'il veut venir, où est le problème? Laisse-le venir. Quand il vient, les trois étaient maintenant dans, je ne sais pas si c'est la pirogue ou dans, en tout cas dans un petit bateau et tout. Ils s'éloignaient un peu de la terre et tout. Ils étaient maintenant au milieu de l'eau. Elle dit qu'elle s'attend à ce que le monsieur prenne la canne à pêche pour commencer à pêcher. Le monsieur ne pêche pas. Il est seulement là au milieu, il est énervé. C'est comme ça qu'elle lui demande que, mais pourquoi tu es énervé comme ça? Il dit, non, laisse-moi. J'ai bien demandé à celui-là de pas nous, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Et il est déjà à moitié bourré. Bourré, c'est-à-dire sous. Il est déjà à moitié sous et tout. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais s'il est sous, mais en fait, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te dérange du fait qu'il soit là? C'est comme ça que le monsieur lui dit, en tout cas, ne me pose même plus de questions, là, je suis énervé. Elle dit, ok. Ils sont restés là au milieu de l'eau, ils ne faisaient rien de bon. Mais le cousin en question ne faisait que boire l'alcool qu'il avait emmené dans la glacière. Ensuite, le monsieur se fâche, il dit non, moi je suis énervé, moi je ne veux même plus rester ici là, on retourne. Le monsieur fait un 360 avec la pirogue là. En faisant le 360 du genre pour retourner où ils étaient, le cousin tombe dans l'eau. Quand le cousin tombe dans l'eau, non seulement le cousin était déjà sous, il avait beaucoup bu d'alcool. Il tombe dans l'eau et elle dit au monsieur que, mais essaie quand même de sauver ton cousin et tout. Il lui dit non. Moi, je ne veux pas le sauver d'abord, que je ne voulais même pas qu'il vienne avec nous. Il a insisté pour venir. Il a trop bu l'alcool et puis moi, de toutes les façons, je ne sais pas nager.
Et je répète que les deux avaient des gilets. Les deux avaient des gilets de sauvetage, sauf le gars qui les avait accompagnés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cousin tombe dans l'eau et le monsieur refuse de sauver son cousin. Pourtant, il y avait un autre gilet dans la blocque. Mais genre, il refuse de sauver délibérément. Il refuse de sauver son cousin. Et la fille se pose la question que mais, le monsieur, là, il joue à quoi? Elle pensait que le monsieur devait, du genre, revenir pour le sauver. Ils sont partis, hein, ils ont laissé le gars là-bas et tout. Ils sont partis. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a trouvé ça bizarre. Que mais on part avec quelqu'un, la personne est en train de se noyer devant nous. Et toi, tu refuses carrément de sauver la personne. Tu n'appelles même pas les secours. C'est comme ça que le monsieur a dit non, de toutes les façons, il va se débrouiller. S'il ne se débrouille pas, de toutes les façons, il va mourir. Alors, ils sont retournés. Elle dit qu'elle était inconsolable. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle a même voulu appeler les secours et tout pour que quelqu'un aille sauver le cousin. Elle n'a pas pu parce que le monsieur a pris son téléphone. Alors, les deux sont rentrés et le monsieur la menace. Je ne veux même pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire à quelqu'un. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Le monsieur, en venant la déposer, lui remet une enveloppe d'un million. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un million. Elle demande au monsieur. C'est vrai que le monsieur lui donnait de l'argent. Mais elle demande au monsieur, mais tu me donnes cet argent-là. Il lui dit non, je te donne juste cet argent parce que je vois que depuis que nous sommes arrivés, tu pleures. Et je veux plus que tu pleures, je veux que tu prennes cet argent pour aller faire tes courses. Elle a dit ok. Quand elle est rentrée, elle n'a pas voulu raconter ça à sa mère. Elle a plutôt raconté ça à sa tante qui avait insisté pour qu'elle sorte avec le monsieur. Elle a raconté ça, tante lui dit non, c'est pas grave, de toutes les façons, il va s'en sortir. De toutes les façons, il va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Ou bien s'il ne s'en sort pas, ah, de toutes les façons, il était bourré, moi je vais te dire quoi. Elle dit qu'elle est restée. Dans la nuit, elle fait un rêve dans lequel quelqu'un vient attraper son cou. Et du genre, elle se dit juste qu'elle est en train de rêver, mais quand elle ouvre les yeux, effectivement, quelqu'un est en train de l'étrangler. Elle a passé toute la nuit à pleurer, elle dit qu'elle a prié et tout. Et le matin, elle est allée voir, pour les Gabonais qui sont dans le truc, les tradis praticiens là, un ganga. Elle est partie voir le ganga et le ganga lui a expliqué que, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur avait fait. Et je tiens à rappeler que le gars qu'on avait poussé dans l'eau là, il est mort. Hein. Il est mort. Et quand il est mort, quand on a retrouvé son corps, on a retrouvé peut-être son corps 3 jours plus tard. Et c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait, je sais pas, qui avait été noyé ou autre. En fait, son corps était intact quand on a retrouvé son corps. Donc, c'est comme ça que le tradit praticien lui dit, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur devait faire. Et tu as eu la chance, en fait. Tu as eu la chance parce que si le cousin en question ne venait pas, c'est toi qu'on allait sacrifier. Et elle a aussi dit au tradit praticien que la nuit, quand elle dort, elle fait des mauvais rêves et tout, et tout, et tout. Elle fait des mauvais rêves comme si on l'étranglait et tout. Elle dit oui. Et le tradit praticien lui dit oui, c'est parce que le monsieur veut te réduire au silence. Donc, je vais te donner des trucs à faire et tout. Tu feras des mauvais rêves, ou bien je sais pas, avant de dormir, tu feras ça et comme ça, même s'il vient te voir en rêve, tu pourras te défendre facilement. C'est comme ça que la fille est rentrée. Elle dit que tous les jours, elle faisait de mauvais rêves. Tous les jours, elle faisait de mauvais rêves. Dans les mauvais rêves dans lesquels elle se battait avec le monsieur. Le monsieur lui demandait de fermer sa bouche, qu'il ne fallait pas qu'elle parle et tout. Et ensuite, un jour, elle croise la sœur de celui qui est décédé dans l'eau. La sœur de celui qui est décédé lui dit, « Oh non, écoute, ton chéri, c'est quelqu'un de bien. Depuis qu'on a annoncé la mort de notre frère, il a pris les obsèques à sa charge et tout. Donc, du genre, c'est lui qui a organisé les obsèques de A à Z de son cousin. Mais eux, ils ne savent pas dans leur famille que c'est son cousin en question qui l'a sacrifié. Et la fille, normalement, c'était elle qui était le sujet de sacrifice du monsieur. Mais heureusement pour elle, qu'elle a peut-être été gentille avec le gars qui est mort en lui disant non, écoute, laisse-le venir avec nous. En fait, le gars a juste pris sa place. Donc, c'est pour dire aux gens de faire attention. Dans les relations ou autres, là. Tu es là, tu es avec ton gars et tout. Je te dis, non, c'est mon gars, il ne peut rien me faire et tout. Non. Même mari et femme, là. Même mari et femme, même quoi, quoi. Faites attention, en fait.
Et puis la fille, c'est une personne que je ne connais pas personnellement, mais aujourd'hui, là, elle a l'air beaucoup traumatisée, en fait. Elle a l'air beaucoup traumatisée parce que même après être allée chez le tradit praticien, maintenant, elle dort dans une église. Vous vous en rendez compte? Elle dort dans une église parce qu'elle passe tout son temps à prier. En fait, elle fait un peu comme si elle délirait et tout. Donc, c'est pour dire aux gens de faire un peu attention. Voilà, c'était mon histoire pour l'instant. Vous avez entendu ça? Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter un autre monsieur. Un monsieur cette fois qui va nous raconter des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Écoutons-le. Je m'en vais vous raconter une histoire qui est propre aux réseaux sociaux en fait. Et pour éventuellement sensibiliser les gens. En fait, mon histoire c'est sur Facebook. Facebook il y a quelques années et en ce moment... J'étais un peu engagé dans, je peux dire, j'étais un blogueur un peu engagé. Et j'ai été contacté, en fait, comme tu dois le constater, toi qui fais une émission comme celle-ci, tu dois avoir sûrement beaucoup de sollicitations. Donc, j'ai connu une personne, parmi les personnes qui rentraient, avec qui je discutais, qui était aux États-Unis, qui était venue en contact avec moi, et puis on a changé. Et on a eu des affinités en fait, et après on avait des petites affinités ensemble. Je l'appréciais vraiment assez. Et le problème c'est quoi? C'est que un moment, elle m'appelle, elle me dit j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire et il faut que je te parle. Et j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas le temps. À chaque fois, j'ai dit que bon, on va parler plus tard. Un jour, elle a dit, couvre le temps. Et ce jour, quand on couvre le temps, on parlait, qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là où je suis vraiment sidéré. Et on tombe de vif dans le sujet. C'est qu'elle me dit que je suis parti à une église et on m'a dit, si je vais pas demander pardon à une certaine personne, c'est que... Tu as mis les écouteurs? Ouais, je les enlève alors. Mais il faut enlever l'écouteur. Désolé. Donc, elle me dit, elle est partie dimanche à l'église, un dimanche à l'église, et le pasteur lui a dit, lui a pointé du doigt, dis-toi, il y a une telle personne que tu es en train de lui faire certaines choses. Si toi, tu ne vas pas demander son... S'il ne t'accorde pas son pardon, toi, tu es foutu. Et c'est là, qu'est-ce que la chose? Parce qu'en fait, elle... Comme on échangeait, elle était devenue comme ma copine et je m'apprêtais déjà à aller aux États-Unis en fait à rendre visite. Elle m'envoyait des photos. Elle m'envoyait des photos, comme on peut parler, beaucoup de photos, des, comme on dit actuellement, des nudes. Elle m'envoyait des photos, des petits trucs comme ça. Elle me dit, prends ça. C'est elle qui, je ne demandais pas, c'est elle qui m'envoyait. Elle me dit, cette photo-là, elle me dit qu'elle fait partie d'une secte en fait. Et c'est une personne aux États-Unis, apparemment, elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle me dit qu'elle fait partie d'une secte, d'une société secrète. Et que quand elle vient vers moi, c'est calculé en fait. Parce qu'elle dit, regarde, parce que moi j'étais incrédule hein, quand elle me le racontait. Moi je ne croyais pas. J'ai dit, arrête de raconter tes conneries. Elle dit, non, c'est moi qui suis venu vers toi. Tu te rends compte que c'est moi qui ai toujours pris le devant et tout et tout. Et même les nudes et les photos, c'est moi qui te les envoyais. Tu me les as jamais demandé. Et là, ce n'était pas des photos simples. Et moi, toujours incrédule, elle me dit, la preuve en est que tout ce que, regarde un peu depuis qu'on s'est connus, depuis cette période, est-ce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait capote? Et c'est là où ça a attiré mon attention. Et c'est vrai que cette année-là, c'était une année charnière. J'étais dans des grands, grands trucs. J'avais des gros projets, pas un seul, j'en avais plusieurs. Et comme on dit, si tous ces projets-là fonctionnaient, moi je disais toujours aux gens qui étaient autour de moi, les proches, qu'on va vraiment dire que la sorcellerie existe. Pourtant, c'est le travail. Et ça capotait un à un. Et le pire, ce que je vais vous raconter, c'est un projet immobilier que j'avais flairé qui était... on a tout fait le dossier. Je me rappelle, j'ai failli dire le nom de l'agent de l'immobilier. Il me dit, je ne comprends pas. Tout le monde a pris le dossier, ça ne fonctionne pas.
Et donc, en fait, ce que je voulais sensibiliser, ça c'est mon histoire, propre aux réseaux sociaux, et demander de faire attention, y compris toi, Frangin, qui est là, parce que toi, tu fais beaucoup du bien aux personnes. Moi, par exemple, depuis cette période-là, mes activités dans les réseaux sociaux, je les avais complètement abandonnées. J'avais été dans le noir pendant un moment. Donc, je dis aux gens qui sont sur les réseaux sociaux de faire attention. De faire attention ici. Il n'y a pas que des... Il y a beaucoup de loups. Il n'y a pas que dans la vie, machin. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je ne veux pas perdre plus de temps. Je te remercie une fois de plus. Mais on te dit ça? Ah là là, ça fait peur. Bien, nous allons écouter un autre témoignage. Une femme veut nous parler d'une jeune fille. De quoi s'agit-il? Écoutons-la bien. Ça concernait la jeune fille qui disait avoir subi des attouchements de la part de son beau-frère. Mm-hmm. Tu t'en souviens? Voilà. En fait, elle t'avait demandé des conseils. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour que la fille en parle à sa famille, parce que le diable se nourrit du secret. Elle a subi des attouchements. Là, c'est pour quelle dame? Parce qu'en fait, comme on poste plusieurs histoires là. Des attouchements de la part de son beau-frère quand j'avais été en déplacement pendant qu'il y avait des troubles au pays. Moi, je suis aussi ivoirienne aussi. Elle avait subi des attouchements de la part du mari ou bien du copain de sa grande sœur. Le monsieur, il est décédé actuellement. Et depuis, malgré que le monsieur soit décédé, elle reçoit des attaques dans le sommeil, où souvent c'est le monsieur même, malgré qu'il soit décédé là, qui vient coucher avec elle et tout. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était la semaine dernière. Oui, je me rappelle. Voilà. Donc, les gens lui avaient. Elle demandait ce qu'il fallait faire. Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est d'en parler à sa famille. Parce que de toutes les manières, le monsieur, il est déjà mort. Tant qu'elle va garder le secret, là, le diable va s'appuyer sur ce secret-là pour pouvoir la posséder. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas quand, en fait, même quand tu vas à l'église, on te dit, par exemple, de te confesser. Quand tu confesses même ce que tu as subi. Parce que quand tu gardes des secrets, c'est-à-dire quand si par exemple tu as été violé étant enfant et que tu as gardé ça secret pendant longtemps, ça te crée des troubles parce que tu n'as pas exposé. Donc il faut que cette jeune fille-là, devant toute la famille, dise ce qu'elle a subi. C'est vrai que ça ne pourra plus faire de mal puisque le monsieur même est décédé. Mais au contraire, elle, ça va la libérer. Mais tant qu'elle n'a pas fait, c'est comme si elle nourrissait un secret, c'est-à-dire comme si elle nourrissait le serpent. Qui la mordait un peu à chaque fois. Donc, c'est ce que je voulais parler, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Maintenant, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Tu vas encore dire les dates, mais ça a commencé en 92. Donc, en 92, ma maman avait pris un répétiteur pour mes petits frères, c'est-à-dire les maîtres de maison. Et je vais l'appeler Tony. Il était tellement gentil que c'est comme ma maman l'avait finalement adopté. Et ce Tony-là, il habitait chez son oncle. Son oncle était marié. Il était à son deuxième mariage. Et il avait déjà des enfants. Et puis, il a pris cette femme-là, cette nouvelle femme-là. Bon, moi, comme je t'ai dit, Tony est devenu comme un grand frère. De temps en temps, j'allais le visiter à la maison. Et j'étais devenue même amie avec ses nièces, les filles de son oncle. Donc, un jour, j'arrive chez Tony. Il y a la femme de son oncle qui lui dit carrément « Ah, mais je t'avais dit que je ne veux plus voir cette fille-là chez moi à la maison ici. » Ah, le gars, il était gêné. Puis il a dit « Mais tanti, moi, mais j'étais là, j'ai regardé la dame. » J'étais surprise parce que j'étais encore très jeune, hein, j'avais même pas... Bon, j'ai oublié un peu mon âge. Donc, bref. Donc, elle a dit « Mais je t'avais dit que je ne veux pas voir cette fille-là à la maison ici. » Mais j'ai compris qu'en fait, il y a longtemps qu'elle lui disait de ne pas me permettre d'arriver chez eux, mais moi, il ne m'avait pas dit. Donc, devant ce jour-là, quand elle a dit ça, moi, mais ça m'a tellement surpris. J'étais très, très, très surprise qu'une dame d'un certain âge s'en prenne à moi, alors que bon, bref. Moi, c'était en 93. Moi, je suis venue en France en 97. Donc, vers les années 2000, je suis assise à la maison chez moi et puis j'ai reçu un coup de fil.
C'est la dame là qui m'avait chassé de chez elle en 93 là. Elle m'appelle des États-Unis. C'est là-bas maintenant, elle aussi elle était aux États-Unis. Donc, en fait, elle avait son petit-fils à Abidjan, que je vais nommer Désiré, qu'elle voulait faire monter sur les États-Unis. Mais depuis, ça ne marchait pas. Donc, moi, elle m'appelle et puis elle me dit, « Ah, ma fille, vraiment, je sais que tu es en France. Est-ce que tu peux accueillir mon fils chez toi le temps qu'il passe pour venir aux États-Unis ?» J'étais choquée, en fait. Donc, j'ai dit, « Ok, j'ai pas de souci, j'ai compris. » Sincèrement, j'étais prête à l'aider. Et puis, il y a eu des événements qui ont fait que, finalement, j'avais déménagé, voilà. En ce moment, il n'y avait pas encore les téléphones, tout le monde n'avait pas Facebook et tout. Donc, on s'est perdu, elle a perdu mes contacts, moi aussi. Donc, en 2014, quand j'ai fait mon Facebook pour la première fois, je suis contactée par Désiré qui était devenu maintenant grand. Ah, ça va, mon petit frère, tant, on a discuté et tout. Il me dit, ah, est-ce que je peux toujours passer par chez toi pour aller aux États-Unis chez ma maman? Mais je vais encore faire un peu escale. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'était en 2014, en février 2014. En août 2014, je vais au pays pour les vacances. Et puis, j'ai une amie qui me parle d'un prophète, un homme de Dieu. Je dis, ok, prends rendez-vous, on va y aller. Donc, elle prend rendez-vous. Le jour de ce rendez-vous, là, je vais croiser la jeune dame. Il était 7 heures. Elle me dit, ah, est-ce que tu connais un certain Désiré? En fait, moi, le Désiré, la fois, je fais une petite parenthèse. Moi, je ne l'appelais pas par son nom Désiré. Il y avait un petit surnom qu'on prenait pour l'appeler. Donc, quand elle m'a demandé, tu connais un certain Désiré, j'ai hésité. J'ai dit, je ne vois pas. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, parce que j'ai été visitée la nuit par un certain Désiré qui est venu me frapper en songe pour dire, mais pourquoi est-ce que tu l'emmènes voir l'homme de Dieu? Donc, j'ai dit, ah, bon. On allait voir l'homme de Dieu, après je suis rentrée, j'ai dit, ah, je ne comprends pas, c'est qui peut être Désiré là, parce que j'avais oublié. Donc je demande à mon petit frère, mon petit frère m'a dit, non, mais celui-là, c'est Désiré là que tu connais, dans la maman aux États-Unis et tout, tu veux. Et là, je lui ai dit, ah, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la maman du Désiré en question qui est aux États-Unis, c'est une féticheuse, en fait. Donc c'est une dame, on dit une guérisseuse, voilà. Elle a eu à soigner la maman d'un monsieur. Et le monsieur, pour la récompenser, lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle avait ses enfants, mais elle a dit qu'elle-même préférait aller aux États-Unis. Donc, ses enfants étant restés à Abidjan, elle voulait passer par moi pour que moi j'aide l'enfant. J'étais disposée, sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient en train de me travailler spirituellement pour que je puisse dire oui à tout ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, une histoire qui a commencé depuis 2000. Jusqu'en 2014, j'étais encore sur le projet, donc j'étais en train de me travailler spirituellement pour pouvoir accepter. J'allais l'accepter sincèrement, mais sans arrière-pensée, mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis faire le fétiche. Donc quand la jeune dame m'a dit qu'en fait, il est venu la frapper en France, je lui ai demandé pourquoi elle m'envoyait chez un homme de Dieu. Du coup, j'ai carrément bloqué le petit. C'est pour dire quoi? Généralement, on est en Europe, on est sollicité par des parents. Des fois, tu viens d'être payé, tu as ton loyer de 1000 euros à payer, mais il y a quelqu'un qui t'appelle du pays, tu prends les 1000 euros, il te demande même 800 euros, tu prends, tu t'en vas lui donner, tu ne te rends pas compte en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est pour solliciter aussi les gens, pour leur dire de prier, parce que certains vont consulter, mais certains qui prient à notre nom pour dire que je lui demande et que je lui demande, il faut qu'il me donne. Pour ne pas que la personne à qui nous qui sommes sollicités, on refuse. Mais souvent, quand on envoie l'argent comme ça, c'est au détriment de notre propre famille. Mais après, quand tu finis d'envoyer et tu te rends compte que, ah, mais où l'argent est parti, ou bien j'aurais pas dû. Mais sur le coup, là, quand on t'appelle, c'est comme si tu as le service, tu es obligé d'aller donner. Donc, c'est pour dire à chacun de prier. C'est-à-dire, quand tu prends ton salaire le mois comme ça, tu pries. Et que tes dépenses soient d'abord tes priorités, tu payes ta dîme, tu fais tes dépenses. Et puis maintenant, si tu en as, et puis tu donnes. Et mais à chaque fois même qu'on te demande là, prie pour demander à Dieu, est-ce que celui qui me demande la langue que je lui donne, là, c'est à bon escient ou bien c'est parce que c'est pour aller travailler. Donc voilà, là, c'est, disons, ma première histoire. Après, je vais remonter encore parce que j'en ai plusieurs comme ça. Waouh! Ce que vous venez d'entendre, c'est hors du commun. Vous devez partager cette vidéo pour aider les gens.
Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite. Voilà, parce que ce n'est pas terminé. Il y a d'autres choses encore qui arrivent. Que Dieu nous donne la force et la possibilité de le faire. C'est parti.